Une détermination sans faille. Depuis le 16 décembre 2020, date à laquelle Delphine Jubilard a été signalée disparue, les amis de l'infirmière cagnacoise organisent régulièrement des recherches de leur côté. En parallèle des fouilles déjà effectuées par les forces de l'ordre. Et dans la journée du 5 février 2023, ces dernières ont ainsi fait savoir quels étaient les résultats de leurs dernières recherches en date. Aujourd'hui encore nous avons fait des recherches, en vain, a rapidement souligné une des amies de Delphine Jubilard, défaitiste. Avant de poursuivre, déterminée, je suis convaincue qu'un jour, nous allons la retrouver car nous n'abandonnerons jamais. Nous sommes et serons là jusqu'au bout. Pour cause, leur seul souhait actuellement est que justice se fasse afin que cette maman d'amour repose en paix. Supérieur à supérieur à lire, minute par minute, Delphine Jubilard, retour sur le jour où elle a disparu, un mois important dans cette affaire judiciaire. Si depuis de nombreux mois les proches de Delphine organisent régulièrement des fouilles afin de retrouver des traces laissées par l'infirmière, la justice risque également de faire avancer cette affaire judiciaire. En effet, comme l'avait souligné la Dépêche du Midi lundi 16 janvier, un nouveau rapport est attendu courant février 2023. Un document qui stipulera si oui, ou non, l'époux de Delphine Jubilard, Cédric Jubilard, principal suspect dans cette disparition, sera libéré. Les juges d'instruction devraient prochainement boucler l'enquête sur le meurtre de Delphine Jubilard, avaient également rapporté nos confrères. Un élément qui indique donc que courant 2024, l'homme présumé innocent, incarcéré depuis le 18 juin 2021, devrait être renvoyé devant une cour d'assises pour un procès qui pourrait se tenir au premier semestre 2024. Des nouvelles procédures et audiences à venir donc et risquent d'apporter des éléments de réponse dans cette affaire. Crédit photo, capture d'écran Facebook.